D'accord. Alors, le domaine est dirigé par mon fils Jean. C'est lui le patron du domaine et il est moins médiatique que moi. Il se cache, je le vois passer là. Il est moins médiatique que moi. Et puis, pour la Maison Laurent, ben, j'ai mes trois filles qui travaillent avec moi. Et Marie s'occupe de la cave. J'ai d'autres qui s'occupent des expéditions pour préparer vos vins, d'autres qui s'occupent de la mise en bouteille. Et du coup, les trois filles, c'est faire presque tous les travaux pour la maison. Oui, et puis notre maison est très relationnelle, donc le travail est. On pourrait dire que le travail est mieux fait parce que c'est un travail en famille plus. Puis vous avez Géraldine qui s'occupe de tout. C'est votre contact et elle aussi, elle fait partie de cela. Hein. Donc ça permet d'avoir quand même un bon travail, un sérieux. Voilà. C'est une grande chance, vous voyez, de travailler comme ça, en famille. Hein. C'est 2001, hein? 2001, ouais, avec des vinifications dans les Corbières, c'est le sud de la France, sur d'autres cépages. Ouais. On a commencé les premières vinifications sans soufre en 2001. Et puis bon, après 2006, où on a commencé à créer le domaine, puis petit à petit, on a récupéré des appellations plus prestigieuses. Et, je sais pas, maintenant ça fait quoi, 15 ans, hein, 15 ans que le domaine est créé, donc ça a bien évolué et on apprend quand même encore sur les vinifications. Avec les pommards qu'on a eu depuis 3-4 ans, on apprend encore à les vinifier, on s'adapte aux millésimes, aux appellations, voilà. Sans être trop, sans s'imposer, on va dire. Voilà. D'accord. Et du coup, pour l'instant, pour le nouvel millésime 2022, vous vinifiez ensemble ou... Ah non, moi je fais plus rien. Hein? Moi j'ai montré la voie, mais une fois qu'on a la maîtrise des choses, comme moi, j'ai acquis la maîtrise avec des autres maîtres. Le Jeannot, il a acquis sa maîtrise avec moi. Et maintenant, on met sa propre personnalité dans le vin. C'est pour ça qu'on peut toujours faire mieux que son maître, oui. Mais il faut avoir bien appris. Le vin, c'est plus ne pas faire beaucoup de choses que de faire des choses, vous voyez. Il y a plus des interdits à pas faire qu'à faire. Donc une fois qu'on a ces règles dans sa tête, on impose sa personnalité. Voilà. Avec ses qualités. Hein? Ouais, Jean, il a des qualités différentes de moi. D'accord. Ok.